Bonjour à tous et à toutes, c'est Franck alias Gamesland. On se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode sur Little Nightmare sur PS4. Donc épisode cette fois-ci en off, puisque le premier épisode avait été enregistré alors que j'étais en live, en streaming. Avant de commencer ce deuxième épisode, vous avez été quelques-uns à me signaler que les vidéos donc, qui étaient pour ceux qui sont en streaming, où il y a une sorte d'overlay en fait qui permet d'afficher les alertes, les nouveaux abonnés YouTube, les nouveaux abonnés Twitch, etc. Donc vous avez été certains à me remonter comme quoi ça gênait un peu la visibilité, donc il n'y a pas de souci. Je vais regarder comment je peux faire ça, comment je peux gérer ça pour optimiser en fait la visibilité. Donc n'hésitez pas à ce genre de remarques sur les commentaires, parce que bah, ça permet de faire avancer un peu et d'améliorer la qualité en fait. Donc de la chaîne, que ce soit la chaîne YouTube ou des streams. En sachant que pour les streams, c'est différent, c'est pas évident, parce qu'il faut pouvoir afficher les alertes des abonnés. Je vais voir comment je vais faire. En tout cas, n'hésitez pas, ce genre de remarques. Et nous allons commencer tout de suite l'épisode numéro 2 sur Little Nightmare. Et nous sommes sur PS4. Alors... Je me rappelle plus trop. Donc, on l'avait. Le premier épisode, c'était il y a 2 jours, je pense. Voilà. Donc, on a ce menu que vous n'aviez pas vu lors du premier épisode. Alors, je sais pas ici sur la page principale, on voit Six qui est en bas des escaliers. Est-ce que ça représente la progression? On le verra plus tard, au fur et à mesure qu'on avance. Si c'est ça, c'est bien fait parce que ça veut dire qu'on a un menu principal qui est interactif en fonction de l'avancement du jeu. C'est, je trouve ça excellent quoi. Donc reprendre sélection du chapitre, on va voir un peu comment ça se présente. D'accord, donc a priori on n'a même pas terminé, enfin j'ai même pas terminé le premier chapitre, et on peut zoomer. Ah voilà, les collectibles, justement je me demandais où il y avait une information. Donc il y a des gnomes éteints, 0 sur 3, je sais pas ce que c'est. Et les fameuses statues à briser que j'ai vues au tout début. Ok. Donc là, par contre, on a oublié d'allumer, je sais pas, enfin des gnomes. Ah non, gnomes étreints. J'arrive pas trop à lire. Étreints. Bon, on regardera ça plus tard. Voilà, donc on peut sélectionner le chapitre, a priori revenir dessus pour les collectibles. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode. Chargement un peu long. Bon, après, il n'y a qu'un seul chargement. Hein, parce que quand vous mourrez, généralement, enfin, il n'y a pas de chargement, vous reprenez aussitôt. Alors, que je me souvienne un peu. D'accord, on était dans cette pièce. Et que s'est-il passé? Est-ce que c'est la fameuse zone avec le saut? Je me souviens. Ah oui, voilà, c'est ça. En fait, j'avais dû grimper tout en haut. Ok, je me rappelle. Alors, ouais. Par contre, il faut se souvenir des boutons, parce qu'entre autres, j'ai fait d'autres jeux. Quoi ce délire? Bah si, je peux. Ah oui, j'avais grimpé sur le côté, ok. Je me rappelle.
Bon, ici, ce truc-là, on peut rien en faire. Alors ici, on va courir. Allez, go. C'est parti. Waouh, tout juste. Bon, pour l'instant, jusque-là, tout va bien. Ah oui. Non, c'est dingue que ouais, la sauvegarde elle est vachement loin en fait. Parce que je l'avais passé ça. C'est pas le bon plan. Ah voilà, je me rappelle, on est arrivé là, j'avais arrêté là exactement. Ah oui, là il y a un petit personnage dans la cage. Je sais pas s'il faut les libérer, je présume que oui, mais... Enfin, du moins j'espère. A priori, il n'y a rien là. Est-ce qu'on peut ouvrir le casier? Non. Est-ce qu'on peut s'accrocher? Ah bah voilà. Super. Bon. Du coup, va falloir tout refaire. Oh là 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 là, ouais, c'est punitif quoi quand on tombe. Ah mais non, mais c'est pas le même endroit. Mais c'est pas du... Ah non non. Et pourtant cette corde, ça me dit quelque chose. Oh non! Encore ces bestioles. Ouais, par contre, là, j'ai pas capté. Je suis tombé. Je démarre à un autre endroit. Ah non, les purées.
Ah, ça y est, ça va faire comme l'autre fois. Allez, cours, Forest. Oh! Oh mais non, putain, je suis sûr que j'étais à la fin. Qu'est-ce que c'est galère ces trucs. Laisse aucune chance en plus, on meurt vraiment. Ah, que j'aille à gauche ou à droite, c'est la même chose, quoi. Il y en a partout. Il y en a partout de ces merdes. Bon, si jamais ça dure trop longtemps, que je faille trop sur ces bestioles, je ferai une coupure au montage. C'est pas possible, putain. Avec l'angle de vue, à chaque fois, je me prends la porte. Waouh, j'ai réussi à passer. Nickel. Mais on est où là? Putain, je sais même pas. Ah ouais, en fait, si j'arrive. Oui, ok. C'est là que je suis grimpé tout à l'heure. J'ai grimpé, pardon. Je suis grimpé. C'est là que j'ai grimpé tout à l'heure. Et donc, fallait bien tomber dans notre pièce. Du coup, on a coupé le courant et maintenant on peut passer. Ok, sauf qu'entre-temps, voilà, il y avait des bêtes sont apparues dans la pièce qu'on vient de passer. Bon, il n'y a rien ici. Par contre, c'est bizarre, c'est que j'ai des grilles. Mais Six ne peut pas aller plus haut. Non. Je vais bien essayer de tirer. Est-ce qu'on peut ouvrir quelque chose? A priori, non. Oh, on a encore l'œil. C'est excellent, c'est les petites glissades là. Bon, c'est la deuxième fois qu'on fait de l'infiltration. Non! Mais pourquoi je me suis arrêté? Mais quel abruti! Allez, réveille-toi. Je vais attendre. Ouh! Putain, c'est chaud. Allez, 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 allez. Ouais. Oh non! Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, on se casse. Ah, oh, putain, je me prends le mur encore une fois. Ok. Pièce suivante. Oh, le fail. Génial. Putain, c'est pas possible. J'ai un problème avec l'angle de caméra. Ah, je dois refaire le passage, bien entendu. Que j'ai le temps de passer. Non, c'est mort. J'aurais pas dû. J'aurais dû attendre.
Allez, c'est reparti. On va attendre. Ça sert à rien de se précipiter. Allez, cours. Ok, c'est bon. On se cale derrière le truc, les balais, etc. Là. Non! Mais non, j'étais derrière! Mais non, pourquoi je veux allumer le briquet à chaque fois? Non, 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 ça sert à rien. Ouf, ouais, j'ai bien fait de revenir sur mes pas. Allez, go. La petite glissade. Bon, c'est... Oh, j'allais dire, c'est une blague. Mais non! Oh, mais... J'ai appuyé sur carré pour courir. C'est rageant là. Bon, c'est vraiment comme Limbo, hein. C'est la moindre erreur, elle est fatale. Une Ravel aussi d'ailleurs, de mémoire. Mais bon, après voilà, c'est ce genre de jeu, c'est vraiment une... Moi j'aime bien, c'est une très bonne expérience. Je sais plus si je pouvais passer ou pas. Non, je pense pas. Non, je vais attendre. J'ai trop traîné. Donc ça sert à rien. Allez, vire. Glissade. Bon, allez, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Faut rester dans l'ombre. Ce qu'il y a, c'est que ici on voit pas très bien. Ah, il faut rester dans l'ombre, faut vraiment jouer avec l'ombre, ok. Allez, cours. Le mur, super. Bon, c'est ici où je suis tombé direct. Si je pouvais avoir une petite sauvegarde, ce serait bien. Oh là 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 là. J'aime pas du tout, mais du tout. Ok. Non mais la blague! Non! Mais c'est quoi? Pourtant j'ai bien appuyé pour m'accrocher, elle voulait pas s'accrocher. Et je recommence. Bon par contre là ça va être un peu lourdingue si à chaque fois. Non, je comprends pas, je me suis accroché à la caisse pourtant. Elle est dans l'ombre. On reste dans l'ombre. Pourquoi elle est tombée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ouais, mais... Pff, bah là, je sais pas, putain, elle a fait un truc bizarre. C'est vrai que le gameplay il est assez spécial, hein. Ça manque un peu de précision dans les mouvements, je dirais. Ça manque un peu de précision. Bon, ça va, c'est pas catastrophique non plus, hein, mais par moment, c'est assez bizarre. Non, bah là, c'est de ma faute. N'importe quoi. Bon, va falloir peut-être avancer quand même parce que... Bon, pour ceux qui regarderaient la vidéo et qui ont le jeu. N'hésitez pas via les commentaires à dire où vous êtes arrivé, si vous avez fini le jeu, si vous avancez, ce que vous pensez du jeu. N'hésitez pas à réagir. Ça peut intéresser éventuellement les personnes qui voudraient l'acheter.
C'est toujours bien d'avoir un maximum d'avis. N'hésitez pas à raconter votre avancement du jeu via les commentaires. S'il y a des passages qui vous ont énervé. Là, par contre, ça commence à m'énerver parce que j'appuie sur carré pour courir, mais il est trop tard et... Ah là là. C'est dramatique. Waouh, tout juste. Ce passage, il m'énerve. Là, faut vraiment. Si vous restez dans l'ombre, ça marche bien en fait, hein. Vous n'êtes pas détecté a priori. Bon, alors, carré, c'est courir, croix, sauter et accrocher, c'est la gâchette R2. Ok. Parce que ici, on va pas avoir beaucoup le temps. Ah, mais je suis au bord, quoi. Alors, déjà, hop. Bon, c'est une. Waouh, c'est bon. Ouf. On peut rien ouvrir là? On peut pas monter. Y a rien à ouvrir. Bon, j'aimerais bien une petite sauvegarde. Alors, je sais pas s'il indique qu'on a fini. Ah, les petites bêtes. Enfin, ouais, les créatures, je sais pas ce que c'est exactement. Alors, je disais, je sais pas s'il indique qu'on a fini un chapitre. Je suppose que oui, mais bon. Hop. Bon, là, il y a l'œil, il y a sauvegarde. Trophée obtenu, la prison. Bon, je regarderai plus tard ce que c'est. Bon, je dirais que là, on a fini le chapitre 1. Je pense. Ah, par contre, les chargements de niveau sont quand même assez longs. Bon, pour info, je suis sur PS4 standard, sur la FAT. Après avoir... Allez, on va avancer encore un peu. Parce qu'avec tous mes fails, du coup, sur cet épisode 2, vous aurez pas vu grand-chose. Ok, j'ai... Deux possibilités s'offrent à moi. Passer là. Et monter. Bon, on va aller visiter la pièce là pour voir s'il y a des trucs intéressants ou pas. Encore cette fameuse bestiole. Par contre, il y a des traces de je sais pas quoi par terre. C'est pas très rassurant. On peut ouvrir. C'est quoi? C'est un placard ça? Bon, pas très bien. Alors on peut tourner plus ou moins la caméra, mais c'est pas top quoi. C'est pas top. Je sais pas, ouais, on peut ouvrir, mais je vois pas trop... À quoi ça sert d'ouvrir? Y a rien dans le coin là, non? Mais non. Ouais.
Voilà, on allume la lampe. Je pense que c'est une espèce de point de passage à la lampe. Une espèce de checkpoint. Ouais, je peux grimper, mais bon, ça change pas grand chose. Là, on peut pas tirer le tiroir. Mais non! Bon, de toute façon, c'est bien, je referai un tour. Une fois le jeu fini une première fois, on fera un point sur les collectibles et puis on reviendra dans les niveaux. S'il faut, je ferai une vidéo uniquement pour les collectibles. Enfin, pour les montrer, montrer rapidement les emplacements de ce que j'aurais loupé. On va déjà faire un premier run tranquille comme ça. Sans trop non plus passer trop de temps à chercher pour dire d'avancer quoi. On doit passer par la fenêtre. Alors ici, on dirait que ça fait un petit zoom. On a un plan qui est quand même un plan de caméra qui est plus important, quoi. Ah, j'ai vu, ouais, ça j'ai vu ce passage-là, j'avais déjà vu une vidéo comme ça. Par contre, graphiquement, franchement, il n'y a rien à dire. Ah, il y a une clé, tiens. Graphiquement, il n'y a rien à dire, c'est super beau. Fail. Ouais, je suis mort. Bon, on arrive à bientôt une demi-heure de jeu. On est à 28 minutes. On va peut-être arrêter là. Donc, pour ce let's play épisode 2. Donc, je le rappelle sur Little Nightmare sur PS4. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Désolé pour les fails. Hein, voilà, c'est un peu. C'est du direct, quoi. Je fais pas trop de montage. Du coup, il n'y aura pas. Je pense que ouais, je vais pas couper la vidéo. Hein, ça fait partie du jeu. De toute façon, c'était pas pour montrer du skill. Donc, c'est vraiment la vidéo sans tricher. Donc, désolé pour les moments où j'ai dû recommencer 2-3 fois. Pour ceux qui ont le jeu, comme je l'ai dit précédemment, n'hésitez pas à réagir via les commentaires en disant si vous aimez le jeu, si vous en êtes content, si vous l'avez fini, s'il y a des endroits qui vous ont plu, qui vous ont agacé. Ça peut intéresser d'autres personnes d'avoir des avis différents, quoi. Donc, ah tiens, juste un truc avant de partir, on va vérifier, donc retour au menu principal, si ce que j'avais dit pour le menu principal, ça correspond. Enfin, ceci dit, étant donné qu'on a passé... Ah, il y a... Six n'a pas l'air d'avoir bougé beaucoup sur le menu principal, donc... Je ne suis pas certain. Bon, après avoir passé plusieurs chapitres, si c'est vraiment ça, mais a priori. Voilà, donc on a bien passé effectivement le premier chapitre. Donc là, il y a deux statues et trois je sais pas quoi en fait. Faudra que je regarde un peu ça. Donc on est vraiment sur une zone, un environnement qui est différent. Les chapitres, a priori, on a vraiment deux chapitres qui vont être totalement différents. Bah c'est nickel, comme ça on est vraiment au chapitre 2 pour l'épisode 3. Dites-moi si ce format au niveau de la durée vous convient, c'est-à-dire une demi-heure pour un épisode. Sachant que n'oubliez pas que le jeu n'est pas très long.
De ce que j'ai entendu dire, il dure 5 heures si vous prenez votre temps. Si vous speedez, vous en avez pour 2 heures. Donc je pense qu'un format de 30 minutes, c'est pas trop mal. Mais dites-moi dans les commentaires si ça vous convient. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cet épisode 2 vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous aimez, à mettre un like ou pas, comme vous voulez, et à commenter surtout, parce que vos retours m'intéressent beaucoup. Allez, amusez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. I'll be back.